Et rebonsoir pour la suite du live 94 dans lequel on est en train de d'avancer sur le phare de la Coupe de France de robotique juste ici. Dans le live, dans la première partie du live, on a travaillé sur la partie alimentation à l'arrière, donc on est un peu plus propre avant. Et là, dans cette deuxième partie de live, ce qu'on va faire, c'est que je pensais faire le système de switch, mais là, ce soir, ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer sur la partie un peu déco du phare. Je sais pas si on mettra cet élément-là, on va voir ça tout de suite, mais en tout cas, il faut qu'on démonte le bras au fur et à mesure et que on vienne caler les décorations directement dessus. Donc, on est parti pour un peu de déco. Voilà, puis on va voir combien de temps ça va nous prendre. Faire ça tranquillement. Alors, on va avoir besoin de découper certains éléments et d'en percer d'autres. Je pense qu'on va commencer par... Enfin, qu'est-ce qui est le plus simple ? J'ai trois éléments. Marque la barre contacteur et la plaque de fixation plateau. Non, la plaque de fixation plateau, on l'a mise. Elle est là. Elle est transparente, mais elle est là. Hey, hey. On est vraiment à la fin des 20% de finition. Ouais, c'est clair. Bonne nuit, Forceman. Je sais pas si je vais intégrer ça, parce que ça m'a l'air assez fragile, ça. J'ai peur que ça se plie sur le système. Normalement, ça se mettait là. Bon, en fait, c'est que 3 vis, donc c'est assez facile de le réintégrer s'il y a besoin. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut absolument que je mette cette déco. Oh! Bon, bah, attendez, je suis même pas sûr que. Ah merde, ça passe. Ah, j'avais pas vérifié ça quand j'avais imprimé, mais j'ai un petit décalage. Ah mince! Vous voyez, on va peut-être pas faire ça. Je viens juste de me rendre compte que c'était un petit peu décalé. Comment on va faire je pense que je vais le démonter. Je vais enlever les 4 vis qui sont là. Et puis, je vais refaire les trous spécifiquement dessus. Ah, c'est dommage, je vais avoir un petit décalage. Bon, écoutez, on va faire ça. Commençons par ça. Donc, on va démonter le bras. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on se dit qu'on le met complètement allongé. Donc ça, c'est sa position dans laquelle on va le démonter. Hop. Et après, selon le temps qui nous restera, on fera la petite barre pour les switch. Ça, je m'en fais pas trop. Alors là, tant qu'on ne démonte pas le palonnier, on va garder la position, donc c'est un peu ce que je cherche à faire. Voilà, un maximum de ne pas perdre les positions. Et donc là, par contre, on peut y aller gaiement, pas de problème. Tout ça, ça peut se démonter assez facilement. J'ai pas de perte de position là-dessus. C'est un système avec des... Ah ben bon, tant pis. Est tombé. Je pensais que j'avais mis des inserts, mais même pas. Même pas. Quand je vous dis que c'était un vieux système, il n'y a même pas les inserts à cet endroit-là. J'ai une paire de chaussettes exactement comme ça, il suffit de les enfiler. Alors, vu ce que ça fait, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que je vais le coller et puis je vais faire les trous par à l'arrière. On va faire ça comme ça. Est-ce qu'une colle UU ça va fonctionner? Juste pour maintenir. Je
dans sa vie. Hein. Hop. Oh, ça a l'air de tenir. Par contre, je suis un peu dégoûté que ce soit plus à la bonne taille. Mais bon, pour maintenant, on va pas le refaire. Donc, ça, hop, on va le laisser coller. Et du coup, ça, normalement, ça vient au-dessus. Donc, on va l'aligner aussi, on va le coller. Et puis, aligne-toi sur l'arrondi et la tête du phare recouvrira la partie haute. Bah ouais, mais j'ai les petits... Ah. Bah ouais, mais... Ouais, c'est pas con. Ouais, non, si, t'as raison. T'as raison, on va faire ça. Ça veut dire qu'il faut qu'on découpe ces éléments-là. Ouais, bien vu. Bien vu. Grand merci à toi. Hop. Bah, je veux le garder au cas où. Voilà. Ouais, ça cut, ouais. Normalement... C'est pas fou, attendez, je dois avoir quelque chose. On est pas mal, on va mettre les vis. Ça, ça va tenir. Je suis pas du tout aligné sur les. Sur la déco, mais bon, tant pis. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Pourtant. Voilà, le fichier a été. Je l'ai changé entre temps et il y a eu des petites modifs. J'en sais rien. Je sais pas si. Il y a tellement longtemps, on parle d'il y a un an quoi, donc ok, donc là on est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre quelques écrous derrière juste pour le tenir le temps de faire les autres fixations. Mais attends, quoi? Ah oui, c'est bien sûr, comment ai-je pu la louper, cette magnifique armoire tournante. Ah mais non, mais... Incroyable, cette armoire. Tu n'as pas une mèche bien aiguisée. En fait, tout est dans mon garage, donc il faudrait que j'y aille, mais là... voilà, j'ai trouvé ce que je voulais, donc... Enfin, j'ai trouvé mon pointeau, donc c'était parfait. Hop. Nickel. Par contre, l'ombre va pas être correctement alignée, mais c'est un peu dommage. Comment est-ce que je peux faire ça? Bon, tant pis, il va y avoir un petit décalage, mais... Ah, c'est dommage. Un peu dommage.
pense qu'on est... Oui. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Mais non, c'est ça la beauté du 80-20, c'est que c'est les 20 derniers pourcents qui te prennent 80% de ton temps. C'est ça le 80-20. Ok. Faisons déjà un trou ici. Câble. Et on va aligner le reste. Et ce sera beaucoup plus facile. Bon, c'est pas aussi propre que ce qu'on pouvait espérer au début. Mais bon, tant pis. Hein. Pourquoi ? Vu des gradins, ce sera parfait. Ok, donc là... Tu connais un sticker mouette au niveau du raccord. Grave. On va même faire un truc encore mieux, j'ai des stickers caribou. Allez là. Ah bah voilà. Même idée. Impeccable, regarde, hop, sticker Scaribou. Il est un peu long, mais on peut s'en sortir, on peut s'en sortir. De toute façon, ici, là, ça va falloir que je trouve une solution. Mais dans un premier temps, on n'est pas trop mal. Un caribou, ça vole pas. Donc, ça, c'est fait, c'est bon. Maintenant... cette partie là on va un peu plus se marrer parce que si du coup la taille est pas bonne, je sais pas trop comment je vais intégrer ça à cet endroit là. Alors l'autre solution, on voit pas, l'autre solution c'est que si j'y arrive pas, c'est peut-être de pas intégrer cette partie là et de découper ici, puisque de toute façon c'est une partie qu'on ne voit pas, et je pense que c'est presque la meilleure solution. Ça m'évite de tout démonter et finalement de n'intégrer, de démonter que cette partie là. À mon avis, ça sera plus efficace. Je crois qu'on va faire ça. J'ai pas voulu mes chaussettes. On aurait pu se rencontrer à la Coupe de robotique de juillet, mais vu que ça se passe cette semaine, je ne sais pas venir. Ah oh, mince! Ah ouais, c'est un peu dommage. Bah en fait, ouais bon, ça va être une année un peu particulière. Je ne sais plus combien il y a exactement de participants qui sont finalement attendus, mais on est plus proche des 70 que des... comment? Que des 100 de l'habitude, quoi. Donc c'est un peu dommage. Bah écoute, on se verra l'année prochaine. C'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et l'équipe participe? Ton équipe participe quand même? C'est juste toi qui viens pas? Ou alors tout le monde est bloqué du coup?
Attends, il y a l'automode qui fait des siennes. On était que deux dans l'équipe, on a... Oh mince. Ouais. Bah ouais, tu sais, moi je sais aussi ce que c'est que d'être... On est que deux aussi dans l'équipe, et donc du coup c'est très très compliqué quand il y en a un qui peut pas... de pouvoir réussir à... Bah, à trouver des solutions. Et bon... Écoute, effectivement, on se verra l'année prochaine, j'espère. Je vais couper sur la barre, ça sera mieux. Hop là. Ouais, c'est parfait. Ok, alors maintenant, on va se mettre deux petites pinces, comme ça on va pouvoir tenir ça le temps de faire nos perçages et découpes sans tout bouger. Hop, impeccable. Il y a des points pour le visuel. Non, mais ça fait toujours plaisir de mettre quelque chose de joli. Il y en a qui ont fait vraiment des trucs assez exceptionnels là en phare. On n'a pas envie d'être complètement largué à ce niveau-là. Salut Starcrawler. J'ai trop de temps pour travailler sur un haut puisque normalement je serais diplômé. Oh, tu sais, c'est difficile après d'arrêter les compétitions. Moi je trouve que. Moi j'ai jamais réussi, tu vois. Plusieurs années après, je continue. Hop, comme ça, ça va nous permettre de tenir les éléments, le temps de faire la découpe du reste. Game of Thrones, ça fait un trébuchon. Il y a le prix de la créativité, ouais, bon. À la limite, mais on gagnera pas le prix de la créativité. Nous, on gagnera même plus aucun prix maintenant, je pense. On le fait pour la gloire. C'est vrai que cette année, l'année dernière, on a gagné le prix de la communication, mais c'était un peu particulier. Quoi. Disons qu'on le fait pas pour ça, quoi. On cherche pas à tout prix. Alors. Ouais, c'est plutôt innovation technique, quoi. Non, mais il y a des gens qui font des trucs bien plus stylés que ça, hein. Pour le coup. Salut Nico! Gagnera le prix de la communication et de la transmission. Bah écoute, j'ai déjà gagné le prix de la pédagogie il y a quelques années. Il me semble que c'était en 2015. Et le prix de la communication, c'était l'année dernière. Avec le travail sur le Discord de la coupe. Et c'était un prix commun avec toutes les équipes. Parce que, bah, voilà, moi j'ai créé ça, mais c'est les équipes qui animent. Donc... C'est bien de se dire que c'était un prix pour plusieurs personnes. Quoi. Aussi. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. C'est pour ça que j'insiste pas forcément beaucoup dessus.
Hop. Ok, bon bah finalement ça se passe mieux que prévu. Voilà. Alors par contre là, faut quand même que je le colle avec quelque chose de plus plus violent que. Est-ce que ça. On va essayer de le coller plutôt à la glu. Mettre un costume avec des cornes et une queue qui traîne, c'est fait. Donc pendant ce temps-là, ça c'est fait. Donc ce qu'on va faire, c'est que là on va démonter ce qu'on avait mis ici au niveau de la base du phare. Et Lou, est-ce que tu vas streamer ou faire la vidéo de la compète? Alors je ferai un vlog, ça c'est sûr. Un peu comme ce que j'avais fait à Maker Fight il y a quelques années. Est-ce que je vais streamer? Ça dépend énormément de ce que j'arrive à choper comme réseau là-bas. J'aimerais bien quand même essayer, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps. Mais du coup, ça sera... comment dire? Faudra pas hésiter à se mettre sur sur mon compte Twitter, parce que du coup, je sais pas trop quand je ferai ça. Ça sera vraiment un peu à l'arrache, je pense. Donc, attends, ça va se... Est-ce que tu peux arrêter de tomber, s'il te plaît? Voilà. Ouais, donc ça se fera un peu à l'arrache, je pense. Donc, on verra bien. En tout cas, connectez-vous sur Twitter, mettez-vous sur Discord. C'est là-dessus que je préviendrai si jamais je fais quelque chose en live. Et dans tous les cas, il y aura les rediffs. Mais j'aimerais bien, ouais, effectivement, au moins le vendredi soir. Pour la simple et bonne raison que le vendredi soir, c'est la coupe-off, c'est là où on fait un peu la fête. Et du coup, c'est plutôt cool d'essayer de vous montrer ça, même si ça sera, je vous dis, encore un peu particulier cette année. Je pense que c'est quand même assez chouette de pouvoir le voir. Hey, ça a de la gueule, hein. Ici, donc ça on peut l'enlever. Hop. C'est là où un petit insert aurait été pas mal. Ben, je t'en prie, Watashi. Très visuel les gars, je suis désolé. C'est vrai que ce système là est vraiment très grand et ça m'encourage à à essayer de chercher une autre caméra que celle que j'utilise, parce que je la trouve pas des masses pratiques pour ce genre de live par exemple, où effectivement on voit pas grand chose. Alors là, comment je vais faire? Pince peut-être. Hop. Hop. Ah, vous me voyez en gros. Ça s'appelle un plan barbe. C'est un vrai plan au cinéma. C'est vrai qu'une caméra frontale, ce serait rigolo.
J'ai une petite caméra, ça s'appelle endoscopique, là, que j'ai jamais utilisée. Ça pourrait être très rigolo à utiliser en live. Mais la qualité est pas folle. Je suis assez déçu. Je pensais l'utiliser pour les impressions 3D. Ça arrive des blagues genre tu ajoutes la déco et d'un seul coup pouf, plus le même poids, des frottements différents, un truc qui se Ah bah oui, ça arrive. Et on va même tester pour voir si c'est pas si ça gêne pas. Mais bon, là je crois pas hein, mais mais il y a toujours un risque. Regardez comme il est beau ce phare. Magnifique ce phare. Alors, on va prendre. Alors la batterie, je vais la mettre sur le côté pour pouvoir piloter si jamais il y a un problème. Hop. Voilà. Bon, bah c'est parti. Hein. Enfin, je ne peux pas vraiment vous le montrer. Tu vas me faire déprimer à en être au stade de la déco. Et tu regardes les images en caméra frontale, ça fait vomir. C'est vrai que ça bouge beaucoup. En plus, moi, j'ai tendance à beaucoup bouger. Alors, attention. Bon, bah alors, du coup, voilà. Là, ça fait joli, hein. Ça fait très très joli. Je peux pas vous montrer tout le phare qui se déploie, c'est un peu dommage. Hop là. Et bon, bah voilà, nickel. Ça ne déborde pas à gauche, en tout cas. Projet Barba Twitch. Pas tes dimensions pour l'homologation. En fait, faut que je le positionne. Voilà, faut que je le positionne comme ça pour être bon en hauteur. Et là, de toute façon, j'ai un peu de marge parce que je suis sur du 30. Ouais, c'est ça, 30, 32. Et je crois que c'est combien on avait regardé. C'est 450 la largeur. Donc en largeur, je suis bon. Par contre, c'est vrai qu'en hauteur, j'ai pas regardé. Hauteur initiale maximum 30 mm. Et donc là, je suis à 30. Ah, c'est bon. Je suis juste. En hauteur, je suis un peu juste. Mais il me reste 5 mm de marge. Voilà, j'aime bien être un peu moins juste. Un peu plus moins juste. Mais bon. Joli la tour de Pise. Là maintenant il faut que je la règle justement avec les, la nouvelle puissance des moteurs parce que de la batterie parce que là du coup ça va pas du tout. Donc maintenant il faut que je fasse un petit système à l'avant pour que justement quand mon robot, un de mes robots arrive, il puisse appuyer sur le système et que ça puisse le démarrer. Il faut que je regarde un petit peu si le système peut dépasser un petit peu, mais je pense pas. On va relire un peu. Alors, fin de FR, en cas de... au contact d'un des robots, non. Ouais, donc à aucun moment. Donc en fait, il faut vraiment que le robot dépasse un petit peu pour pouvoir taper sur le switch. Ok, c'est ça que je voulais vérifier. La mécanique ne peut pas dépasser du périmètre. Ouais, je me doutais un petit peu, mais j'avais pas vérifié. Je regarde vite fait ce qu'il y a d'autre. Bah, il y a plusieurs solutions. En fait, à la base, je pensais que ça allait être le robot principal qui allait actionner le phare et donc qui allait utiliser un de ses bras pour pouvoir le faire. Sauf que stratégiquement parlant, c'est plus intéressant que ce soit le robot holonome qui vienne l'activer. Et là, le problème, c'est qu'avec le robot holonome, eh ben, je dépasse pas en fait du terrain, ou très peu. Donc, je sais pas encore comment je vais faire ça. La solution qui me semble la plus basique, ce serait de fixer les deux switches de cette manière-là. Attends, je vais rapprocher un petit peu. Et de venir taper dedans avec un des bras du robot. Voilà, ça c'est une solution. Avec une des pinces à gobelet, bah ouais, voilà, c'est ce que je pense.
Et ça, ça peut le faire. Du coup, pour faire ça, il faut juste que je fasse un système qui puisse se régler en avant, en arrière ici, pour pouvoir le régler plus finement sur les tables là-bas. Donc ça peut être fait assez facilement. Je fais les deux trous ici, je fais une petite plaque et puis voilà. Et après, il faut que je relie les deux languettes entre elles pour pouvoir actionner les deux switches en même temps. Enfin, l'un des deux switches d'ailleurs, j'ai pas besoin d'actionner les deux switches. Et donc ça peut se faire par une simple plaque en acrylique qui vient se coller directement dessus ou qui vient se fixer sur les galets. Donc je sais pas encore trop. Ton phare n'a pas le droit de contenir un détecteur d'approche à ultrasons de base. Alors en fait on peut avoir... Regarde, c'est assez subtil. Avant on pouvait lancer à distance, mais c'était assez compliqué pour le public de comprendre ce qui se passait. Donc ce qui a été rajouté, c'est le déclenchement du phare. Il doit se faire au moment du contact. Mais le mode d'activation peut être effectué par tout moyen, y compris sans fil. Ça veut dire que... Tu peux avoir un capteur, une barrière optique, par exemple, et tu viens toucher le phare. Et quand tu viens toucher le phare à proximité du phare, bah, en fait, c'est juste le fait d'avoir un bras ou un système qui passe à travers la barrière optique qui va lancer le phare. Alors ça, c'était une option que j'avais imaginée aussi. Si le switch, si j'étais pas quand même super satisfait du switch. Et j'ai pas encore choisi. Parce que là... Mais comme j'ai les bras qui dépassent du robot holonome, je me dis que je vais plutôt utiliser les bras du robot holonome. Et ce sera très bien, quoi. Je pense qu'on va plutôt faire ça. Tu mets les deux switches avec le levier orienté vers l'extérieur, gauche et droite, et tu tends une ficelle entre les deux, et puis avec le bras, tu viens appuyer. Attends, tu mets les deux switches avec le levier orienté vers l'extérieur. Ah, oh, c'est pas con ça. J'avais pas pensé à ça, tiens. Alors attends, si je comprends bien, tu veux faire ça, toi. Tu vas mettre comme ça. Et c'est l'appui sur la corde qui va tendre. Ouais, ça va tendre la corde et ça va actionner le switch. Est-ce que ça peut marcher, ça? Parce que mes switches sont quand même très durs. C'est des switches un peu industriels. Et... Genre avec une corde comme ça, quoi. Ah, c'est pas... Ça se tente, hein. Donc, comme ça... Et pourquoi pas comme ça? Là, ça fait la même chose en fait. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi ça ne marcherait pas avec la corde dans ce sens-là? Bon, dans tous les cas, on va designer juste pour finir ce soir la plaque pour pouvoir fixer les capteurs sur les Maker Beam. Comme ça, au moins ça sera fait. Et après qu'on les fixe à l'extérieur, plus ou moins resserrés ou dans ce sens-là, ça sera par expérimentation qu'on fera le choix. Donc on peut faire les deux. Ouais, si moi je l'avais plutôt pensé dans ce sens-là, tu vois, avec les leviers en façade. Donc bon, écoutez, de toute façon, ça change pas qu'on peut essayer les deux. On peut essayer plusieurs solutions, mais il nous faut quelque chose pour fixer nos switches et que ce soit à peu près à la hauteur à laquelle les bras vont toucher. Donc, faisons ça. Faisons ça. Il n'y a pas à dire... Attendez, est-ce que... Les inverses... Si on les met comme ça, est-ce que ça change quelque chose? Je vérifie de... Ok. Il faut que je fasse 4 trous, en fait, sur mes plaques.
pour pouvoir fixer mes switch soit en hauteur, soit dans l'autre sens. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Comme ça, je pourrais faire des essais sur le dessus ou sur le dessous. Parce que sinon, si c'est comme ça, il y a une solution très simple d'avoir une plaque et puis ça vient. Voilà, c'était plaque à pression et puis on avance et puis chluc. Et puis c'était bon quoi. Ah. CF schéma dans en stream Discord. Alors attends, en stream Discord. Discord, en stream, allons voir. Ah mais vous avez mis des photos de... J'avais pas vu... Ah oui d'accord, c'est comme ça que tu voulais faire. Ok. Pourquoi pas, pourquoi pas aussi. Ça change pas qu'il faut quand même que je fasse la plaque pour pouvoir les fixer en dessous. Donc ouais. Ok, ok, ça marche. Bon, eh ben écoutez, on va faire notre petit support et puis ça me fera, ça nous fera déjà notre support qu'on pourra tester par la suite. Je pourrais tester demain, du coup, avec le robot, parce que là, il va falloir que je fasse un petit code pour le robot pour que on puisse faire quelques essais. Est-ce qu'on se met... Bon, on va rester dans le phare. Voilà, on va cacher les body ici. Ah mince. Il faut que je fasse un petit code avec le robot qui va pousser et pour voir un petit peu comment ça se présente. On voit pas. Ah merde, oui, c'est vrai que. Désolé. L'idée. Alors attendez, ouvrir. Ouais, voilà, comme ça. Avec la corde. Non, mais pourquoi pas hein. Pourquoi pas. Je vous dis, on va tester les deux. Ouais, les trois. Tout. On va tout tester. Testons tout. Ben là, on va pas s'embêter. Hein. On va faire une platine. Est-ce qu'on lui fait une forme un peu particulière ? Ouais, on va quand même lui faire une forme un peu particulière parce que j'ai peur qu'en dessous, on ait un petit souci avec les trous de fixation. Donc... Ça, c'est la largeur de notre switch. À savoir 16. Waouh! Et là, on va mettre au moins 20. C'est pour pouvoir faire, pour pouvoir mettre les deux trous ici à 5 des deux côtés et que ce soit pas. Trop proche du bord. Bon, j'ai pas représenté, mais la plaque d'avoir une encoche derrière la corde pour pas que le robot tape. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Bien évidemment. Est-ce qu'ils sont pas un peu proches là? Ouais, allez, 25. Ok, et alors maintenant en hauteur, il faut que je prenne la hauteur des bras. Ok. Donc faut au moins que je monte jusqu'à 50. Très bien. Et maintenant, il y a 4 trous à faire. Donc pour que ce soit plus facile, on va utiliser l'outil rectangle. Ça, ça nous fera des contraintes en moins à positionner. Oui. Par contre, c'est du 3 mm. Ouais, c'est des M3. Oui, c'est du 3. 3, 2. Ok, alors par contre, combien ça fait? Oh.
Alors là, on est sur du 10 mm. Sur la hauteur. On va se centrer tout ça. Ouais, je re-règle un petit peu l'accroche de mon de Frican. Je trouve que je suis pas. C'est toujours un petit peu chiant cette partie-là. Ok. 3, on va mettre un peu de marge, on va mettre 4. Salut René, bonne nuit. Ah, c'est vrai qu'il commence à être un petit peu tard là. Ouais, on va le laisser comme ça. Bon, bah c'est bon là. Impeccable. Ok. Voilà, ça nous fait une belle pièce. Impeccable. On va se recréer quand même. Un skate blanc. Une fiche vierge, parce que sinon on va avoir des soucis. Va falloir tout enlever, ça va être chiant. Donc hop, on sélectionne le body 3 et ça. Voilà. Donc c'est mettre platine capteur. Bon, attends que tu j'ai encore une annotation pour le faire, on peut ajouter une corde de brume de 120 dB. Ah, on peut rajouter un peu de musique si vous voulez. Ah oui, mais il y a toujours ce truc con là. Alors ouvrir. Salut Dibozek. 120 dB avec 12 volts, il y a moyen. Pourquoi exporter au format PNG? N'importe quoi. Pas du tout. Là, on va ouvrir. Impeccable. Ah, c'est marrant, elle est un peu tournée. Oh. Ah, c'est pas normal du tout ça. Ah punaise. J'ai dû tourner la vue quand... Ok. Marcomache. Par contre, il se lance quand même vachement plus vite, Inkscape. Ah, bah, je préfère. Impeccable. Allez, go. Beau laser. Alors, unlock.
Et c'est parti. Hop. Ah, la caméra freeze. Bon bah vous ne l'aurez pas. C'est marrant ça. Bon, ça va aller assez vite. Non, sur cette vue, ça paraît pixelisé à mort. Ouais, mais en fait, c'est pas mal parce que du coup, ça te permet vraiment de voir ce genre de bêtises là, tu vois, qu'on n'avait pas vu avant. Là, je suis allé en tout cas, mais peut-être une blague du facteur de zoom. Oui, oui, non, c'est vraiment pour. C'est vraiment l'affichage qui fait ça. Sinon, c'est un vecteur, hein, donc c'est une ligne droite. Hein. On va passer à côté. On va prendre. Et là, c'est les écrans qui vont bien. Ah oui, oui. On est en 16, je suis pas mal, ouais. Voilà. Et voilà. Alors, ah, j'arrive pas à enlever correctement le film. Est-ce que ça marchouille? J'espère que ça marchouille. Donc. Yes, ça marchouille. Ça, c'est la solution. Non. Du coup, on va faire la solution dans l'autre sens, plutôt. Voilà. Comme ça, on peut faire les deux. C'est parfait. Par contre. Je redonne un petit coup de soudure parce que la manière dont j'ai soudé ça ne permet pas de plaquer correctement mon switch. Est-ce que je peux avoir voilà ma petite pince. Normalement, ça va correspondre. Ça correspond pas des masses. Si ça. Ok, alors juste ce serait bien que je le mette dans le bon sens. Un live sans aucun insert et sans trigonométrie. Alors c'est faux monsieur, c'est faux. Il y avait des inserts dans ce live. Ils étaient là. Là et là. Bon, ils étaient un peu cachés, oh, je suis d'accord. Mais il y avait des inserts. Alors on va pas faire de la trigo toutes les semaines à cette heure-ci, sinon vous allez me faire mourir. Genre, je me rapporte. Salut OneFix. Allez, ouf. On va fixer ça. Et ce sera bien pour ce soir.
Dire que j'ai sa vie au plus beau. Donc, là, l'idée dans un premier temps, c'est de tester de cette manière-là. Alors, on pourrait aussi le mettre sur les côtés. Est-ce que ce serait pas mieux d'ailleurs? Ce serait un peu mieux. Ça nous permettrait de faire de le faire bouger plus facilement, de le régler plus facilement. On va le fixer sur les côtés. Alors, les écrous. Ça, il y avait quand même un sacré taf sur ce système qui était censé être terminé. Hein. On le rappelle. Ce qui me semble assez fou aussi, c'est que en octobre, on devait aller à la coupe. Vous voyez, à 2 semaines de la coupe, quand on a décidé, même pas à 1 semaine de la coupe, quand on a décidé de pas finalement y aller, et ben on était moins avancé que là aujourd'hui. Je vous raconte pas ce que ça aurait donné là-bas. Ça aurait été rigolo. On n'a pas l'un de chien d'arrêt de... Ah, oh, cette référence incroyable. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas dangereux, ces bêtes-là. Le caribou sert à vivre. Voilà. Ah, c'est beau quand même. C'est bien, c'est mes carbines quand même. Bon là, le bouton d'arrêt d'urgence va nous... Hein? Bref. Ok, et donc le deuxième switch. Oh bah dis donc, le câble il est tendu. Hein. Hop! Et voilà! Alors maintenant. Ce câble là, on va le mettre sur le côté. Ça a l'air beaucoup trop pratique. Ces supports s'appellent comment? Des rails? Non, c'est des Maker Beam. Enfin, c'est des rails quoi, mais le nom du fabricant qui fait ces rails là, c'est Maker Beam. La particularité, c'est que bah, des rails de ce type là, il en existe dans l'industrie, mais la plus petite taille que tu vas avoir, c'est du 20 par 20 mm. Donc Kerbim, c'est les seuls à proposer du 10 par 10 mm. Ce qui fait que pour la robotique, c'est top. C'est pas mal. C'est dommage qu'on voit le câble. Mais bon. Du coup, là, en fait, à part le concept là qu'on peut essayer du câble, à la limite, l'idée c'est de faire ça quoi.
peut essayer. Hein. C'est déjà un système simple, comme ça. J'essaierai pas grand chose de plus ce soir, parce que je vous avoue que là, je commence à être un peu fatigué. Voilà, si on tend un peu maintenant. Ah, c'est soit ça, soit MacGyver, Michel. Ouh bah là j'ai détendu complètement mais... Ouais. Putain ça marche. Génial. Ouais ça a l'air de marcher. C'est juste qu'il faut que je sois assez précis avec mes pinces. Mais en tout cas, pour l'instant, ça marche. Ah, tu peux pas véritablement. Tu peux pas véritablement. Je peux pas l'accepter ce terme-là, Fliou, parce que sinon, ça va être chaud. Mais j'ai vu. Salut, que fabriques-tu comme robot? Alors là, on finit le module de phare, qui est un module un peu fun pour la Coupe de France de robotique. C'est un système qui se déploie. Voilà. Et qui doit ressembler à un phare. Voilà. Et les robots sont là-bas. Eux, ils sont déjà fabriqués. Un ici. Et un là. On les voit pas vraiment. Oh, de toute façon, je vais me mettre en caméra standard. Hop. Petit robot. Premier robot. Le poids d'un mort et deuxième robot, voilà, en gros l'un homme. Et donc ça c'est pour la Coupe de France de robotique qui a lieu dans une semaine, et du coup on finissait le phare qui sera mis sur le côté du terrain exactement à cet endroit là. Où est-ce que c'est? Une vue du terrain global, voilà, qui sera posée ici et qui sera activée par les robots. Le feu, ça n'est pas. Light my fire. Pas mal, pas mal. Très bonne référence. Bien droit si possible, exactement, pour dépasser une certaine hauteur. Bon là pour l'instant on n'y est pas encore, il y a 2-3 fails, mais on va corriger ça tout à l'heure, demain surtout, là, pas ce soir. Là ce soir je vous propose qu'on s'arrête là, hein, parce que c'était quand même un gros live, donc je vous rappelle, modification complète de l'alimentation du phare. On est passé d'une powerbank 5V USB à une batterie 12V LiPo. Merci Timar, bienvenue. Et avec le régulateur qui va bien, etc. etc. Tout ça testé. On a fait toute la déco qu'on a installée du phare en deuxième partie. Et avec le petit système de switch pour l'activer. Alors qui là pour l'instant se fait avec une corde. On va le tester demain avec le collègue Genesi pour qu'on puisse voir si ça fonctionne et si on ne doit pas changer un peu le système. Sinon on gardera ce système là parce que c'est simple, ça marche, j'aime bien. Donc merci à Alf pour l'idée. Et puis on va commencer à programmer quelques séquences, peut-être faire des petites vidéos pour la semaine que je pourrais vous présenter sur Twitter et sur Discord. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Twitter et à la chaîne sur Discord, à me suivre sur YouTube. Encore une fois désolé parce que les rediffs n'ont pas été renvoyés cette semaine, donc tout arrivera. Voilà, à partir de, je pense, dimanche, et puis après, voilà, il y aura un machin par jour, jusqu'au live de vendredi prochain, normalement.
Je dis normalement parce que je sais pas si je le décalerai pas ce live. Donc restez un peu à l'affût sur les réseaux, je vous donnerai des nouvelles. Mais il y a possibilité que je décale le live à samedi. Mais ce sera à voir. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ce live et ces expérimentations ce soir. On va aller regarder qui reste sur Twitch. Parce que j'ai l'impression que c'est toujours un petit... Il ne reste que moi des protopotes sur Twitch. Et en ce moment, est-ce que vous avez des gens qui live là et qui pourraient être intéressants de suivre en sciences et technologies? Alors, qui est-ce qu'il y a? Il y a Perrococo. Il y a du code, hein, principalement. Et en craft, qu'est-ce qui reste? Sans votre... Je vous abandonne. Bah nous on va finir, nous aussi. Hein, donc, bonne nuit, Hardman. Il n'y a plus beaucoup de monde, hein, en live français, là. Je vais avoir du grenier sur Star Citizen. Sinon... Oh, merci Lims pour des 128 bits, ça fait très plaisir, c'est intéressant, agréable à suivre. Bah, merci beaucoup à toi. Qu'est-ce qu'il fait Perrococo? Ah, du web, pourquoi pas. Ah, il y a vraiment... c'est vraiment très très calme ce soir, dis donc. Alors... catégorie. Ah, l'artisanat, il n'y a personne. Bon, bah écoutez, on va aller voir Perrococo. S'il veut bien. Perrococo. C'est parti. Et moi, je vous dis bonne semaine. À vous, bricolez bien, et puis à la semaine prochaine. Salut !